Et bonsoir tout le monde, bonsoir les à tous les membres HFS. C'est Météor donc, et je suis ce soir avec Mikaelo. Salut Mika. Bonsoir. Salut. Comment que c'est lui? Bah écoute bien, hein. Bien. Bon, on devait être normalement avec Evie, mais finalement il a bossé, donc on sera tous les deux, et puis on aura certainement Nuts qui nous rejoindra un peu plus tard. Donc on est là ce soir, pourquoi? Bah, déjà pour la sortie de la Mega Rave, pour vous montrer un peu tout ça. Et aussi pour vous annoncer quelque chose de nouveau pour nous en tout cas, et qui sera aussi bien pour vous, je pense. Une grande annonce. C'est ça. Donc déjà, on voulait déjà profiter de qu'il y ait tout le monde là, je sais pas comment on est ce soir, on doit être une cinquantaine je pense sur le live. Déjà pour remercier tous les donateurs qui nous ont permis d'acheter le serveur, de louer le serveur qui nous permet d'être maintenant hébergé chez nous, et de faire profiter à tout le monde de la HFS Box et de tous les médias. Et il y a une continuité à ça en fait. Nous, depuis longtemps, ce qu'on voulait faire, c'était faire des rassemblements, parce qu'on avait vu que la communauté était plutôt fun. Et on aime ça parce que Evie on a déjà organisé pas mal et ça nous a beaucoup plu. Donc hop, je vais enlever le truc. Donc ce qu'on voulait faire, c'était faire ça. Donc la possibilité qu'on avait pour faire ça, c'était de se monter en association, n'est-ce pas Mika? Ouais, bah oui, c'était important parce que pour plusieurs raisons, on va pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, on avait deux objectifs. Bon, le premier c'était de faire l'hyperspin le plus beau du monde. Ça, j'aime bien le dire, ça me fait triper. Et le deuxième, c'était de créer une vraie communauté avec, enfin plus une communauté de copains et qu'on puisse s'en joindre et taper des tripes ensemble. Et voilà quoi, enfin pour faire simple. Et ça ouais, donc on l'a vu à petite échelle chez Evie, on s'est retrouvé à une quinzaine de mecs du forum et ça s'est plutôt bien passé quoi, et du coup a germé dans notre tête de faire quelque chose d'un peu plus grand, comme le rassemblement dont on vous a parlé justement sur le forum. Et pour ça, disons pour utiliser les dons de façon transparente et de façon purement communautaire justement et faire un truc bien, il a fallu qu'on se monte en association. Donc c'est officiel aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait vous annoncer. Hyper Frispin est aujourd'hui une association dont Nuts est le président. Qui viendra tout à l'heure, donc vous pourrez le féliciter. Et donc cette structure elle nous permettra donc de faire ce genre d'événement pour vous. Voilà, donc avec pour l'objectif donc le prochain événement qui sera l'événement du mois de juin, dont les dates sont maintenant fixées. Le 19, 20, 21 si je dis pas de bêtises. Donc ça commencera donc vendredi soir 21 juin pour ceux qui peuvent venir le vendredi soir. Et ça se terminera le dimanche qui est le dimanche... Non, c'est le vendredi 19, c'est ça, et ça va être le dimanche 21. Voilà, pour la fête des pères. Alors ça serait bien qu'on ait quelques gars qui viennent quand même le vendredi, parce que ceux-là, c'est ceux qui vont nous filer un coup de main à tout installer. Voilà. Et moi je prendrai le relais, vas-y, je ferai la suite. Vas-y. Ok, bah écoute, je vais te laisser parler du rassemblement, voir comment ça va se passer, où ça va se passer, tout ça. Voir si ok, j'enchaîne là-dessus. Bah écoute, je pense, l'association, il n'y a pas grand-chose à dire, écoutez, donc nous on a aussi, je vais quand même préciser un peu, les statuts, comment on a monté l'association. Donc nous, on s'est décrit comme étant, ayant pour but, on va dire, de préserver tout ce qui est médias et patrimoine du vidéoludique, on va dire. Donc c'est grosso modo, je pense, 95% de l'activité qu'on a sur le forum. C'est la partie, la grosse partie de l'iceberg, c'est ce qu'on fait sur le forum, c'est-à-dire répertorier par système tous les médias possibles. Donc ça nous est paru logique d'apparaître sous ce thème-là en tant qu'association. Ouais. Et puis après, pour le fonctionnement, c'est assez simple. Hein, donc on a Mika qui sera notre trésorier parce qu'il a de l'expérience là-dedans.
Nuts qui est le président, parce que bon, c'est le président quoi, c'est le patron. Je crois que c'est clair. Moi je suis le secrétaire, pas parce que je suis pas sous le bureau, mais parce que j'ai peut-être plus de temps libre pour faire tout ça. Et après on aura Evie qui est sous, comment on appelle ça, adjoint, trésorier adjoint. C'est ça. Ouais. Et on a un secrétaire adjoint qui est Narugawa, parce qu'il a de la prose, voilà. Parce qu'il est belge. Entre autres. Et donc voilà, et puis je vais vous laisser Mika vous parler un peu plus précisément de comment on a pensé, comment on voudrait voir le rasso, et voir et puis vous chauffer un peu, et après vous inquiétez pas, on vous montrera la Mega Drive, on vous montrera un peu la HF Xbox comment elle est actuellement, bon là dessus vous la voyez tourner derrière, et surtout on ouvrira les vannes pour que vous puissiez enfin la télécharger. Voilà. Bon, alors donc en ce qui concerne le rasso, on a réservé une salle à Lurie, donc c'est dans le centre de la France. Alors j'en entends déjà qui vont hurler. Pourquoi ? C'est purement une question logistique. Parce que pour notre première rasso, bon déjà faut le savoir, c'est la première grosse rasso qu'on va faire. Donc on va pas tout à fait, on n'y va pas à l'aveugle, mais bon, pas loin. Donc c'est Alex qui va nous emmener 7-8 bornes. Hein, bon bah d'ailleurs il a déjà posté des vidéos de sa salle, si vous êtes curieux vous allez jeter un coup d'œil, vous allez voir il est bien équipé. Il y a ce qu'il faut, il y aura de la borne en ligne, on va pouvoir se faire plaisir. Nous là-dessus on va rajouter des écrans pour pouvoir jouer à des consoles, tout là. Bon bref, il y aura tout ce qu'il faut pour se faire plaisir, ça c'est certain. Donc comme je dis, Lurie sur Arnon, une salle des fêtes qui pourra accueillir pas mal de monde. Hein. Voilà. Donc on pourra vous faire dormir sur place. Bon, je tiens quand même à préciser que ça va être c'est à la bonne franquette, c'est un truc entre amis, hein. Donc il y a pas de lit, il y a pas de truc 5 étoiles. Donc chacun faudra qu'il emmène un petit peu ce qu'il a besoin. Donc matelas gonflables, couette et tout ce qu'il lui faudra. Je conseille à ceux qui veulent venir en famille de regarder un petit peu les hôtels qu'il y a autour, parce que je pense qu'ils seront quand même mieux dans un petit Formule 1 ou qu'à dormir par terre. Ça, c'est les points les plus importants. Oui. Après, on va quand même parler de la participation, je pense. C'est le moment, à mon avis. Voilà. Donc, on va demander une petite contribution aux membres, juste pour la bouffe et tout ce qui est boisson. Donc, ça étant donné qu'on a déjà, on connaît un petit peu, on voit un petit peu comment ça se passe, on s'est basé sur une base de 20€ par personne, parce que je pense que pour le nombre de repas qu'il y aura, la boisson et tout le tralala, on devrait pas être loin du but. Tout le reste, évidemment, tous les frais liés à la salle et tout ça, c'est à la charge de l'association, c'est pour hyper free spin, c'est évident. Voilà, en gros. Ouais, c'est clair. En gros, c'est les grandes lignes. Bon, évidemment, il y aura des petites surprises. Hein. Ça, c'est normal. On va pas tout vous donner tout de suite. Donc, ceux qui viendront, je pense qu'ils seront ravis de ce qui les attend. Et on espère avoir beaucoup de monde pour cette première rasso. Voilà. Ce qu'on peut leur promettre, c'est une ambiance familiale, du jeu, du bourrage, du tournoi, oui. Et puis comme sur le forum, quoi. Voilà. Et je vous promets à tous de vous mettre des branlés à KOF. Ça sera un grand plaisir que je le ferai. Non, ça va être bien et ça nous enflamme vraiment. On a envie de vous voir, on a envie de partager tout ça avec vous tous. Voilà, c'est ça. Bon, donc concrètement, dans les prochains jours, on vous fera un post où on vous détaillera un peu plus le projet. Et on va essayer de trouver un système. Il y a 2-3 systèmes, j'ai vu, de tirer sur internet pour essayer de mettre en place les réservations. Sachant que, je sais pas, on n'a pas vraiment chiffré on s'arrêtera à combien de personnes, peut-être une cinquantaine, tu disais, Mika, par rapport à la salle. Ouais, je pense que 50 personnes, ça serait bien. Bon, honnêtement, on pourrait peut-être pousser un petit peu plus, mais on pourra pas aller beaucoup plus haut juste pour une question simplement de place. Je pense qu'il faut pas aller plus loin. Ouais, 50, 60 personnes, grand maximum. Personnellement, j'ai du mal à évaluer, on va dire, combien de personnes du forum seraient intéressées pour venir, mais si on arrive à être une cinquantaine, je pense que ça pourrait être assez bon délire, effectivement. Ça serait déjà très bien, ouais. Voilà, et puis pour le rasso, je crois qu'on a à peu près tout dit. Je regarde sur le chat s'il y a quelques questions. Je vois pas de questions en fait. Je vois que ça parle de conneries, de vaseline et de belge. Fricadelle, non, ce sera pas. Je vois que ça parle de fricadelle. Non, je pense qu'on fera une ambiance peut-être barbecue.
Oui, barbe, enfin, ouais, que des choses qui se font bien, qui se font vite, bah, comme on fera entre copains, hein, tout simplement. Voilà, voilà, c'est ça. Vous prenez pas la tête, venez avec. Oui, ce que je pensais aussi, on fera peut-être un petit espace si certains veulent ramener leur bar top, s'ils veulent montrer un peu ce qu'ils ont. Ça peut être sympa, mais vous inquiétez pas, il y aura de quoi faire. Donc, Evie, lui, il a quand même. Il a 8 ou 9 boards, dont certaines sont linkées pour jouer. À des jeux en 2v2 et tout, ça sera pas mal. Après, je sais qu'il y a 2-3 membres du forum qui se sont proposés d'amener quelques bornes, donc il y aura un bel espace pour jouer, vous inquiétez pas. Et donc, nous on essaiera d'organiser quelques tournois, les classiques quoi, de HFS, quoi, les KOF 98, pour redorer le blason de Mika. C'est pour moi. Il y aura du 3.3, bien sûr, ça c'est pour Kevis la pète. Et du Windjammer, bah, ça c'est pour vous montrer ma suprématie. Mais. les classiques quoi. Ouais, ouais. Plus tout le reste parce qu'il va falloir qu'on s'occupe et puis je pense que ça c'est bien les tournois parce que ça motive tout le monde et... Voilà, ça permettra de mettre une bonne ambiance et de juger qui a la plus grosse aussi parce que c'est important. Voilà, voilà donc après pour ce qui nous amène ici ce soir, c'est la sortie de la Mega Drive. Donc je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Le nouveau thème concocté par notre ami Mika de toute splendeur. Bon, Mika, tu vois pas, mais je suis en train de montrer le thème système de la Mega Drive qui est quand même de toute beauté. Ensuite, bon, j'ai fait une boulette juste avant de lancer le stream, je vais voir où ça en est, mais j'ai malencontreusement effacé toutes les vidéos. Donc, il va manquer des vidéos, mais elles sont sur le serveur pour la fin du stream, vous inquiétez pas. Donc, classique de chez HFS, on a essayé de faire dans la qualité avec une grosse console. C'est la console de Uri en personne, après la console de Nuts sur la Super Nintendo, là c'est la console de Uri qui a été prise en photo. Donc voilà pour la Mega Drive. Vous voyez vite fait, donc toutes les wheels ont été faites sur le template de Caméléon classique. Bref, c'est tout dans le classique HFS Box. Quoi. Pour les jeux, ensuite vous aurez donc. Hop, si j'arrive à lancer un jeu, j'ai lancé, je sais même pas. Art of Fighting, il est bien sur Mega Drive, Mika? Non, non, il est dégueulasse. bah, mais du classique, un petit Sonic. Non, mais c'était pour montrer vite fait. Ah, mais ouais. De toute façon, ça passe pas en stream. Donc, comme ça, c'est réglé, le jeu ne passe pas en stream. D'accord. Vu que X-Pit le boot, donc vous verrez pas mon skill magnifique sur Sonic. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, de nouveau dans cette mise à jour, bah, je pourrais pas vous le montrer du coup non plus. Vous verrez qu'on a rajouté dans la Neo Geo l'Unibios. C'est ça, Mika? Peut-être oui. Pour être un peu plus précis que moi là-dessus. Bon, j'ai tripoté un peu, c'est sympa. Alors, bon, l'Unibios, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Bon. Ouais, je vais expliquer vite fait. En fait, l'avantage de l'Unibios, c'est qu'on peut passer, passer la Neo Geo en n'importe quelle région. Donc, pas l'US Jap, alors ce qui apporte des différences, par exemple des blocages du sang, ainsi de suite. On peut aussi passer de MVS à AES, ce qui veut dire d'un système arcade à un système console, ce qui apporte aussi ces différences. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut on peut également débloquer des éléments de jeu qui normalement sont bloqués. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment super sympa et super facile d'accès, hein, parce que du coup maintenant, quand vous allez lancer un jeu Neo, vous arrivez directement sur l'Unibios, vous faites les 3 premiers boutons, vous rentrez dedans. C'est ça, vous appuyez sur ABC pendant le loading. Et voilà, le loading qui remplace l'écran vert dégueulasse qu'il y avait avant. Voilà. Ensuite, il y a une autre petite manip que j'ai remarqué donc, en paramétrant tout ça. Donc, des cartes noires. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, disons que nous, vous savez que sur la HFS Box, en appuyant sur Start et Crédit en même temps, vous ouvrez l'hyperpause. Mais Start Crédit de l'Unibios va aussi vous ouvrir le. Je sais pas comment il s'appelle, le menu. Memory card menu, enfin un truc, quelque chose comme ça. Le quoi. Menu hack quoi, enfin pour pour les codes triche quoi. Donc vous verrez avant d'ouvrir Hyperpause, ça va vous ouvrir le menu triche. Du coup quand vous allez sortir d'Hyperpause, vous aurez ce menu triche qui sera ouvert. Vous pourrez débloquer les personnages secrets, mettre des vies infinies et tous les trucs habituels quoi. Voilà pour les nouveautés. C'est vraiment bien. Hein. Faites-y un saut. Déjà, en plus d'avoir un truc qui est plus joli, parce que comme il disait, le truc, l'écran vert dégueulasse a totalement disparu. On arrive directement sur ce, enfin, on boot là-dessus. Donc, c'est beaucoup plus propre. Et tous les avantages que ça apporte, c'est pas négligeable du tout. Voilà. Voilà, bah écoute. Bisous à un camarade qui va au travail. Je vois que Bisou nous envoie un petit bisou. Ah oui. Je vais essayer de voir. J'ai pas tout suivi le chat, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de questions. Je crois que ça parle de Rome, tout ça, des trucs qu'on parle pas chez nous d'habitude.
Non, non, bah, j'ai vu qu'il y en a un qui parlait que j'avais la plus grosse, je confirme. Ouais. D'accord, c'est quelqu'un qui t'a vu, j'ai la coffe. Ouais, non, la plus grosse voix en fait. Ah, bon, la plus grosse voix, ouais, ça c'est sûr. Que... c'est sûr que j'impose pas le respect malgré mon physique assez barbare. Non, mais si vous avez quelques questions, c'est le moment. C'est le moment, ouais. Je vois pas. Bon, ouais. Il y a un décalage de 30 secondes, mais je vois pas trop de questions. Si vous voulez des questions sur la chez Facebox, bon, je pense que tout le monde est au courant de comment ça se passe pour la synchro, le Superman et tout. Je vois que ça tourne plutôt bien. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire vite fait pour la. Ah, si, l'avenir de la chez Facebox, bien sûr. Ah, oui. Donc là, ce soir, on vous sort la Mega Drive. Dans la foulée, dans la soirée, on va ouvrir les prochains chantiers qui seront la Neo Geo Pocket et la Neo Geo Pocket Color. Bon, de ce côté-là, nous, on a déjà fait tout le travail. Vous aurez juste l'hyperpose habituelle, vous aimez vous éclater pour nous aider. Attends, Matt, si t'as deux petites secondes, juste répondre à une question par rapport au BIOS. Donc non, non, c'est juste un BIOS modifié de la Neo Geo sur Mame. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun changement. Voilà. Il n'y a aucun changement d'émulateur. Ça, il n'y a pas de problème. C'est exactement comme avant. C'est juste l'UniBIOS qui est rajouté simplement dans le BIOS d'origine. Voilà. Ensuite, pour le full set, ouais, je vois que Nemesis pose la question. Ouais. Pour la Mega Drive, on a fait le même système que pour la Super NES. Donc on va dire que c'est pas vraiment un full set parce qu'on a sélectionné tous les jeux possibles, on va dire, en partant en priorisant le FR, ensuite l'Europe, l'Américain et le Jap. C'est-à-dire qu'un jeu, on va dire qu'on a en FR. On ne le prendra pas dans les autres régions. Donc vous aurez tous les jeux existants, mais en favorisant, disons, le plus près de chez nous. À moins vraiment d'une grosse différence d'une version à une autre, mais jusqu'à maintenant, on n'est pas trop tombé sur le cas de figure. Bon, je vois Capli Mobile qui essaie de me faire chier sur l'Atari ST, sur un t-shirt Atari ST. Il doit être dans un sale état, je pense. Vu que c'était déjà miteux à l'époque, il doit être dégueulasse aujourd'hui, je pense. Il y a Neo 32X, ouais, c'est vrai que le 32X il est quasiment prêt, je pense qu'on pourra le sortir aussi dans la foulée, je pense qu'il n'y aura vraiment pas grand chose à faire. C'est vrai que ça serait assez malin de... On y avait pensé d'ailleurs à la rajouter juste derrière la Mega Drive. Ouais. Là actuellement il n'est pas là, je pense qu'on le traitera comme un système à part, hein, comme on a pu faire sur le forum. Ouais. L'époque. Donc pour la suite, donc je disais, donc le Neo Geo Pocket dès ce soir, vous avez le nouveau modérateur qui est hyper actif d'ailleurs, et super bosseur, GR570. Qui a déjà préparé tout, donc ça sera posté ce soir. Il y aura tous les médias hyperposés de la Neo Geo Pocket à bosser et Color, bien sûr, les deux. Et derrière, dans les jours à venir, je pense, Mika, je sais pas, je pense que ça peut aller assez vite. Il y aura bien sûr l'Amiga parce qu'il est temps. C'était voilà. Justement, la question a été posée. J'y ai répondu vite fait sur le chat. Oui, l'Amiga, étant donné que déjà vous, le boulot avait été bien prémâché, voilà. Déjà par notre CMED sur un pack précédent. Oui, hein, il suffira de garnir un petit peu l'hyperpose, de refaire la wheel, et puis c'est quelque chose qui peut sortir aussi assez rapidement. Donc l'Amiga, il y aura pas beaucoup de boulot, je pense. Nous, il nous manquait, je dirais, sur les 2000 jeux, il devait manquer environ 200 disquettes à faire. À l'époque, on n'avait pas la force de frappe qu'on a aujourd'hui, on était beaucoup moins sur le forum, et on avait bossé juste tous les deux dans notre coin, mais maintenant, avec l'armée de fous que vous représentez, je pense que ça ira assez vite. Les box étaient quasiment toutes faites, je pense. Il y aura l'hyperpose, quoi. Bon, là, je serai exigeant, quoi. Je pense qu'on sera exigeant. Mika, je sais pas ce que t'en penses. Bah, comme d'habitude, hein. C'est l'Amiga, je veux dire. Ça fait 6 mois que la box tourne. Ouais. Et ça fait 6 mois que Met se bat pour qu'on fasse l'Amiga, donc on va le faire, on va bien le faire. on a quand même fait tout l'arcade et tout, vous pourrez pas dire que j'ai pas fait un effort, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, puis c'est un système important, ça c'est clair, j'en suis conscient, donc ça sera bien fait. Et si possible, un système démo Amiga, mais bon, ça je crois que je rêve, mais j'aimerais bien. Il y avait un membre qui avait commencé à faire le boulot là-dessus, mais il a pas partagé, je sais pas où s'en est ce truc, mais bon, ça a disparu. Mais moi j'aimerais avoir un petit sous-genre démo, quoi, ce serait pas mal. Oui, quoi. Rien n'est impossible. Faire plaisir à Playmobil, bien sûr. Sinon, moi, je vois plus trop d'autres questions. Quand l'association? Bah, l'association, c'est fait. L'association, elle est, oui. Elle est créée là. Elle est du 19 janvier, je crois. Donc, c'est vrai, j'aurais pu scanner les papiers pour vous les montrer. Bon, c'est pas grand-chose, mais si vous allez sur le journal officiel, vous tapez voilà. Père Frispin et vous verrez que vous pourrez voir l'association et puis en toute transparence voir tout ce qu'on, enfin voir comment on s'est intitulé, quoi, on va dire. On est là, grâce à vous. Ça y est, la machine est lancée, ça fait plaisir.
Question vraie, à quand les jeux comme Double Dragon et Altered Beast? Ça, c'est sur la... C'est sur la chef Hezbollah. C'est sur le... Bien sûr. Bon, c'est vrai qu'il y a Altered Beast sur Super NES, bon, ça vaut pas le Altered Beast Amiga, mais il arrivera bientôt. Combien de... Ah oui, c'est un autre truc, je pense, parce qu'il y a quelqu'un qui demande combien de contributeurs. Je ne saurais pas dire. Si tu parles de super membres, on a actuellement 180 super membres. Et j'en suis assez fier. Ensuite, j'avais un truc que j'ai oublié de dire, Mika, concernant les donateurs. Bon, c'est pas un appel au don du tout, mais à partir d'aujourd'hui, comme l'association a été créée, on se propose de mettre sur la liste que les donateurs, que ce soit de 1€ ou de 3000€, apparaissent sur la liste comme membres de l'association. Bah, ouais. Moi je trouve que ça a une certaine logique, hein, pour en avoir un petit peu discuté. Oui, bon, concrètement ça apporterait pas grand chose, hormis un petit côté prestige peut-être, mais moi je pense que ça serait une bonne chose, une bonne idée. Bah ça montre, bon, vous ça montre que vous soutenez un petit peu l'esprit HFS, et puis nous ça nous donne, pas une force de frappe, mais ça nous donne une liste de membres, on se sent soutenu, on va dire. Donc à partir de maintenant, les donateurs, dans le message de remerciement habituel qu'ils recevront, on leur proposera, s'ils veulent ne pas apparaître dans la liste des membres de l'association, de nous stipuler, sinon ils apparaîtront d'office comme membres à vie de l'association HFS. Exactement. Encore une fois, c'est grâce à ça qu'on peut faire et organiser tout ce qu'on est en train de faire, enfin tout ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Voilà. Sans ça, il n'y aurait pas de rassemblement et il n'y aurait pas tout le reste. C'est ça, exact. Sinon, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, grâce au travail qu'on fournissait, qui font la chef Xbox, c'est clair. Nous, on est juste là pour, je vais pas dire en maître d'orchestre, ça serait un petit peu prétentieux, mais les forces vives, c'est vous, quoi. Ensuite, il y a une petite question intéressante, là, je vais le voir. Est-ce qu'il y a un easter egg sur Naru? Non, cette fois-ci, Naru n'a rien fait du tout, je pense, sur la Mega Drive. je pense que Mika est d'accord. Oui, mais entre-temps, bon, on s'est mis à sa place, il a adopté 14 chats. Voilà. Donc, bon, on va pas raconter sa vie, mais il a été très occupé. Il est totalement excusé. Ce soir, pendant que nous bossons pour le forum, Naru, où est-il? Il est à Cologne, en lune de miel. Donc, on lui fait un gros bisou. Pendant que nous, on s'est fait chier toute la journée à préparer ce petit live, machin. Le mec est à Cologne, en lune de miel, donc... assez frais, bien sûr, pas aux frais de l'association. Mais je promis, s'il y a une grande demande pour le prochain pack, on fera ça. Ce sera avec grand plaisir. Le président est là. Bonsoir. Voilà. Comme quoi, vous voyez, on a tous une vie à côté, donc on n'a pas non plus qui hyperspin. Donc je suis un petit peu à la bourse ce soir. C'est pas grave. T'étais pas prévu. En même temps, tu remplaces au pied levé Evie qui a dû travailler. Donc là, je vois pas de nom. Je vois Tetrafred, Monsieur Freeze qui demande, et ça c'est pour Mika, qui demande s'il y aura bientôt des t-shirts hyper free spin. Alors, j'ai envie de vous dire. Oui, parce que on peut dire ça comme ça. On a comme un petit partenariat avec Rocksport qui nous a déjà fait du gros t-shirt, hyper free spin, et il y aura de ça dans les bacs, justement. Vous aurez l'occasion de le voir à la Rasso. Et donc à la Rasso, ouais, je pense qu'il y aura pas mal de t-shirts hyper free spin, dont des t-shirts, je pense en lot de base pour les nuls, quoi. Pour ceux qui n'arrivent pas à nous battre. Une manique. Oui, c'est vrai qu'il a raison, révérend. Une manique hyper free spin, c'est pas mal, quoi. C'est pour que nos femmes puissent sortir les plats du four. Nos femmes, mais quel macho. C'est Nuts qui cuisine ici. Bon, Nuts, t'avais quelque chose à rajouter, là, que t'arrives à la fin. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Non, bah, écoutez, si je vous ai embauché, c'est pas pour rien. Donc je pense que... non, vous avez dû parler de tout ce qu'il fallait. Voilà. Ouais, donc je pense que c'est bon. Monsieur le Président, mes respects. Le révérend qui nous fait un aller-retour. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Pour la fin du stream, si je vois pas d'autres questions arriver, on va vous montrer un truc un peu violent pour vos petits yeux. Mika a préparé une petite vidéo de son système full, je sais pas combien de trucs dessus, 120, 130. Oh, oui, plus de 120 systèmes. Voilà, un truc, un montage de fou, j'ai passé la nuit dessus, c'est un truc de psychopathe. Donc je vous conseille de regarder, ça dure 10 minutes, vous allez en prendre plein la gueule. Et voilà, ça va vous faire rêver. On va dire en gros, c'est pour vous donner l'idée de ce que sera la chef Xbox dans 5 ans, 6 ans, je sais pas. Du moins, dans l'idée, c'est pas, elle sera pas comme ça. L'idée, c'est tous ces systèmes-là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'un jour, tous les intégrer à la chef Xbox, mais avec
le label HFS, tu veux dire, retravailler évidemment tout ce qu'il y a autour avec nos règles d'aujourd'hui, quoi. Mais voilà, vous montrer ce que ça pourrait être demain. Je suppose qu'il y aura quand même un peu de rangement par rapport au système de Mika. Hein. Oui, bien sûr. Ah, et ça va vous permettre aussi de voir la multi-wheel, voilà, multi-wheel de Super Momo. Voilà, parce que du coup, j'utilise la multi-wheel de Super Momo qui chez moi fonctionne très bien, je le dis. Et donc, pour ranger sans ma système, bah, ça s'avère quand même absolument indispensable. Vous pourrez voir, voilà, vous pourrez voir exactement comment fonctionne ce multi-wheel et ça vous donnera l'idée de. Comment dire là, sur beaucoup de systèmes, de l'apport que ça peut l'apport ça peut apporter, ça veut rien dire, mais de ce que ça peut vous apporter au niveau rangement, quoi, bien entendu. Ah, il y a Antipode qui dit qu'il a raté une annonce sur la Rasso. Donc pour faire rapide, le 19 juin à Lury-sur-Arnon, grande Rasso avec tous ceux qui ont envie de venir. Voilà, comme tout le monde est là maintenant, je vois, on est 70. Donc les gars, vous oubliez vos femmes, vous oubliez la fête des pères, vous oubliez tout. Au mois de juin, donc le week-end du 19-20-21, voilà, vous réservez votre week-end. C'est au centre de la France, on peut pas plus faire plus central, je pense. Non, c'est pas possible. Je crois que ouais, géographiquement, c'est le centre de la France, le trou de balle de la France, quoi. C'est ça. Et donc ouais, vite fait, ouais, par rapport à ce ratio, tiens, un truc qu'on n'a pas dit aussi. Donc je pense qu'on fera une section complètement à part sur le forum parce qu'on a envie quand même que ça marche et on a envie de vous voir, on a envie de s'éclater. Donc on fera une section complètement à part avec une grosse section pour le covoiturage. Donc je vous invite à ceux qui ont des bagnoles et de la place dedans à essayer de vous organiser. Moi je me mêle pas de vos affaires, hein, à diviser les frais d'essence bien sûr. Par exemple, on a besoin de quelqu'un pour monter Nuts, par exemple, si quelqu'un se trouve dans le sud. Hein, président. Oui, non, mais bon, tout le monde sait. Non, je suis là. Je suis en train de gérer le forum en même temps. Ça fait pas mal de boulot. Quelle ordure. Oui, bien sûr, mais bon, de toute façon, on n'y est pas encore. De toute façon, on verra avec les sections qu'on aura sur le forum. Et oui, bien sûr, ce serait bien que je sois là parce que si je ne suis pas là, il n'y a pas de rassemblement, bien sûr. Voilà, parce que c'est comme ça. Je suis le président, donc. C'est ça. Mais au pire, on sortira l'hélicoptère de la sauce. Mais ça fait chier, quoi. Parce que... j'ai entendu dire que le président avait droit à un scooter. Donc, au cas, je prendrai le scooter. Et concernant les profils Expander, les gars, vous savez que l'Expander, c'est le gros bordel. On travaille dessus, camarades travaillent dessus quasiment quotidiennement. Donc, faites toujours des sauvegardes en dehors de la HFSbox, quoi qu'il arrive. Même si je vous promets pas que ça va écraser, faut toujours avoir ça quelque part. Voilà. Ensuite, ouais, les Lorrains, il y aura une grosse communauté. Je pense qu'il y aura un gros contingent Lorrain pour venir pour descendre effectivement à jouer à Miaus. Il y aura. Ouais, on est beaucoup là. On est beaucoup. Non, notre ami revendeur de disques durs. Je pense que ce sera lui qui pilotera. D'ailleurs, juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, donc je sais pas si ça a été dit ou pas, mais on est tous issus un petit peu d'un métier qui ont rien à voir avec le jeu vidéo ou l'informatique. Donc s'il y a des erreurs, donc ça peut arriver bien sûr. Personne n'a fait ça avant nous et on fait toujours ce qu'on peut, en tout cas le mieux qu'on pourra faire. Voilà. Donc on essaie de s'entourer des meilleures personnes et c'est ça qui fait aussi un petit peu la forum. C'est malgré qu'on soit tous un petit peu des noobs quelque part, en fin de compte on s'en sort plutôt pas trop mal. Puis on avance bien. En fait, il y a 3 ans, on n'aurait jamais cru qu'on en serait là aujourd'hui. Bon, on n'arrête pas de le répéter, mais voilà. Ah oui, ça c'est sûr. On a fait même beaucoup plus que ce qu'on aurait pu croire il y a 3 ans. Moi, je fais 90% du boulot et 10% restants. Et bien sûr, on ne répétera jamais assez, mais c'est grâce en grande partie aux membres qui se bougent le cul pour devenir super membres. Largement. Voilà, donc c'est pas la peine de nous remercier, même si ça nous fait plaisir quand vous passez super membres, mais. Voilà, c'est grâce à vous aussi. Et ce qui nous fait vraiment plaisir en plus, c'est que les super membres, en fait, on a remarqué que la plupart continuent à participer derrière cette nomination. Et ça montre vraiment un bel engagement et ça nous fait vraiment plaisir au quotidien, quoi. Et on n'en serait pas là sans tout ça. Moi, je rajouterais bien quand même une petite chose par rapport au statut de super membre, parce que au départ, même moi, j'étais pas trop chaud à cette idée-là, en fait. Je me disais, ça va créer des problèmes, ça va faire parler, on a autre chose à faire comme dit Nuts, hein, c'est pas notre métier. Et finalement, avec un peu de recul, je me rends compte que non, ça a été une très bonne chose. Parce que c'est vrai que la contribution, elle est forte, et puis, comme Maître nous le disait, les gars restent et continuent à taffer. Et
La deuxième bonne raison, c'est que de toute façon, faire ce qu'on fait là, on pourrait pas l'ouvrir à tout le monde. Techniquement, c'est juste pas possible. Voilà, on peut pas faire des serveurs qui pourraient accueillir 100 000 gars connectés en direct. Voilà. Enfin voilà quoi. Donc pour moi, c'était très bien quoi. Enfin, comme c'est là, c'est très bien. Il n'y avait pas de meilleure solution, je pense. Enfin, à l'heure actuelle, parce que c'est sûr qu'à un moment ou un autre, si on arrive à beaucoup plus de super membres, bon, après, tout dépend aussi des dons et du futur de l'association et tout ça, bien sûr. Bien sûr. On augmentera aussi en conséquence, si on peut, bien sûr, les serveurs et tout ça pour la synchronisation. Après, tout dépend aussi, on peut pas mettre de notre poche, bien sûr, ça c'est évident. Les deux premières années, on l'a. Faut dire la vérité, les deux premières années on l'a fait de notre poche. Mais, là maintenant, depuis qu'on a ouvert les dons, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a permis d'évoluer dans une autre sphère, on va dire. Et ça, c'est clair qu'on vous en remercie. Mais... À rappeler aussi que le PayPal a été ouvert sous la demande des membres. Hein. Ça n'a pas été une idée. Ça n'a pas été de notre part. C'était un grand débat au début. Ça n'aurait même jamais traversé l'esprit, j'ai envie de dire. J'irais pas ça, mais disons que bon, au début tout le monde n'était pas d'accord. C'est vraiment parce que les personnes voulaient me remercier que ça a été, en fin de compte, ça a été ouvert. Donc c'est vrai que des fois quand on lit des trucs comme quoi bon l'argent ça nous sert à nous, c'est pas du tout le cas. Hein, je peux... Raison de plus qu'en créant l'asso, justement, voilà. On est obligé de rendre des comptes. Donc quelque part, c'est... Là tout l'argent rentre directement dans le compte en banque de l'association. Donc on a des comptes à rendre. Enfin, vous savez comment fonctionne l'association, quoi, à but non lucratif. Voilà. Il y a l'URSSAF, il y a tout le tralala, on va pas pouvoir s'acheter le PC le plus gros du monde. Malheureusement. on a acheté l'hélicoptère de notes, ça a été acheté juste avant la création de la sauce. Juste avant, voilà. Maintenant c'est terminé quoi, je veux dire. Et mes collègues ont vu une photo de mon ordinateur, je peux vous dire que si je vous montre la gueule de mon ordinateur avec lesquels je fais des thèmes et des articles. Non, c'est pas ça, parce que là il va y avoir des dons, mais par verriez de mon ordinateur. C'est vrai que Mika et moi on est plutôt bien lotis, comme dans le cinéma, on va dire, comme c'est ce que tu dirais Mika. Mais Nuts, vous verrez l'ordinateur de Nuts, ouais, c'est le plus honteux quoi. Ah, pas peur, hein, moi j'ouvrirai un Topic Ring pour ça. Allez, je suis un fou. Voilà quoi, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si je voyais que Naru parlait du... Ouais, ça, c'est... on peut peut-être le dire. On sera... Bon, sauf le président, on sera tous au Stunfest. Donc, quasiment... Ouais, tout le staff, je pense, hein, sauf le président qui habite vraiment trop loin, vous savez qu'il est en Espagne. À la Jonquera, pour être précis. À la Jonquera. Il est en face de la Jonquera. On sera tous au Stunfest, donc on y sera les 3 jours. Donc si vous voulez qu'on se voit là-haut, qu'on aille boire un coup tous ensemble, enfin tous ensemble, ceux qui seront là-haut sur place, je sais pas, le samedi après-midi, le samedi soir, j'en sais rien, ça pourrait être sympa. Oui, ça serait bien de déjà avoir une petite approche avec certains. Hein. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est bon, plus rien à rajouter, Mika. Ah, attends, une question. Il y en a un, oui, Playmobil, bah vas-y, faut pas hésiter. Il y a pas mal de questions. Non mais là il y a un décalage donc Ah. Et il a des glitches de son sur la Super NES. Ça me dit rien. Je dirais qu'il faudrait ouvrir un sujet sur le forum. En même temps là ouais c'est un peu difficile de répondre à des questions techniques. Oui, questions techniques, hein, tu vas directement dans la section de du pack Super NES. Et, bien sûr, ou dans Raid. Voilà. Des questions qu'on a loupées. Et on se débrouillera pour pouvoir régler ton problème. Il y a Porco qui t'attend sur NBA Jam, bien sûr. Ah oui, j'ai répondu. Ah, moi je vous prends à Tetris. Pour le tournoi NBA Jam, il y a une team que vous pourrez pas battre là-haut. J'espère que vous la rencontrerez qu'en finale, parce que sinon vous irez pas loin. C'est Mika et moi, bien sûr, on est imbattables. Ah, on a fait du mal chez Alex. Ouais, Alex. Alex ne s'en remet toujours pas d'ailleurs. Il jouait avec Porco qui tirait de 45 mètres. Il s'en remet pas, Alex. Il m'en remet pas. Porco, ah. En 4 heures de temps, parce qu'on y a joué 4 heures quand même, il a pas été foutu d'arriver à dissocier les deux boutons. Alors attends. J'y pense là parce que je vois le en cours de Playmobil, c'est vrai que Camarade m'a appelé en plus juste avant le stream pour me remonter là-dessus. Les gars, ouais, essayez de faire un petit effort pour respecter les règles des modérateurs. Bon, nous on s'occupe de tout ce qui est technique, donc vous avez vu, on s'occupe plus trop de la modération. Mais on a de bons modérateurs et je pense que le forum. Tourne bien grâce à ça, donc essayez de lire les règles. Bon, je sais pas si je pense pas qu'il y ait beaucoup de nouveaux sur le stream là actuellement, mais
essayer de lire les règles, essayer d'encourager les nouveaux à le faire et à les respecter. Je pense que ça permet d'avoir un forum fluide, d'avoir une recherche qui fonctionne. Ouais, surtout ça, les titres, ne pas faire des titres de n'importe quoi, de à l'aide au secours, ça sert à rien ça, à l'aide au secours. Essayer de faire des titres qui définissent bien votre problème. Des trucs comme ça, quoi. L'AmigaOpad, oui, bien sûr, ça marche très bien. Nuts, on est d'accord. Très bien, oui, Opad. Mon camarade, ça va, non. Donc d'ailleurs c'est ouais c'est plutôt pas mal comme l'Amiga de rebondir là-dessus sur la fin de cette émission. On en a parlé grandement. Ah merde, je croyais que c'était une surprise. Et en plus, vous le reverrez dans la vidéo que je vais vous mettre, la vidéo de 10 minutes, un gros chapitre sur l'Amiga, parce que Mika est complètement fan de l'Amiga. Parce que l'Amiga c'est la vie. Voilà, c'est ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire un gros bisou et on va rester sur le chat de toute façon. Et puis Mika, Nuts, vous restez là, je reviens vous voir dans 10 minutes dès que la vidéo est terminée. Ça vous va? Ok, ça marche. Allez, et bah, bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Merci pour tout. Continuez à faire des artworks, à faire des recherches sur Google. On ira d'autant plus vite. Donc les gars, on répète, Neo Geo Pocket Amiga là à venir. Et après, un petit vote. On vous dit pas pour l'instant. Je sais pas si on peut leur dire. Ou... Non. Non, ça va. On vous soumettra à vote pour le prochain, le troisième système, ça viendra très vite. Mais ce sera pas l'Atari, voilà. Ça c'est sûr. Atari ST, ce sera le dernier système. Et de façon complètement dégueulasse. Allez, des bisous tout le monde, à bientôt. Bonne nuit.
誰だ出てこい貴様Jesus.